Dans le cadre du premier trimestre 2024, nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle collection de produits qui seront animés en magasin du 1er janvier au 31 mars 2024. Au cours de ce trimestre, nous aurons l'occasion de faire découvrir à nos clients de nouvelles recettes autour de trois thématiques. Tout d'abord, les produits de saison viennent mettre à l'honneur l'hiver et son lot de saveurs réconfortantes. Ensuite, nous présenterons les thématiques mensuelles et produits calendaires qui viennent animer nos mois de janvier, février et mars. Et enfin, nous évoquerons nos nouveautés permanentes. Les animations commerciales de l'année 2024 seront divisées par trimestre, soit 3 mois. Les produits de saison seront proposés pendant toute la période du trimestre. Pour ce premier trimestre, les produits de saison seront en boutique à partir du 11 janvier 2024. Chaque mois, des thématiques mensuelles viendront animer nos boutiques et feront l'objet de PLV et de communication marketing. Enfin, de manière ponctuelle, les événements calendaires viendront également animer nos vitrines. Plongeons-nous tout d'abord au cœur de la saison. On aime la douceur de l'ambiance hivernale qui nous enveloppe et on cherche à se faire plaisir avec des recettes réconfortantes. Cheddar, chèvre miel, caramel, cela vous éveille les papilles? Alors c'est parti! Nous lançons un nouveau hot dog qui s'appuie sur la tendance du cheddar, fromage riche et crémeux et vedette de la street food. Dans un pain viennois, nous découvrons un mélange crème cheddar, de la moutarde à l'ancienne et une saucisse de volaille. Pour ajouter encore plus de gourmand, du cheddar râpé gratiné et parsemé sur le dessus. De l'oignon cébette émincé vient apporter de la fraîcheur et de la couleur à la recette. Le pain viennois utilisé dans la recette peut être commandé sur entrepôt, tout comme être fabriqué en fournil. Pour ce premier trimestre, le nouveau hot dog cheddar prend la place du chaud-saucisse dans nos boutiques. Il ne faut donc plus en produire pendant cette période. Au coin viennoiserie snacking, nos clients pourront se laisser tenter par notre nouvel escargot au cheddar et au bacon. Nous vous proposons de réaliser cet escargot avec la pâte levée feuilletée que vous aurez eu l'occasion de découvrir au cours de l'OP5 de cette année. Un mélange de tartinade, de ciboulette, de bacon et de cheddar râpé vient garnir l'intérieur de l'escargot. Avec du cheddar râpé fondu sur le dessus, nos clients ne pourront plus résister à servir chaud. Pendant cette saison, merci de ne plus proposer au comptoir la torsade aux deux fromages qui est substituée par notre nouvel escargot cheddar. Les autres ingrédients salés phares de la saison sont le chèvre et le miel. Facile à mettre en place et gourmande, la quiche chèvre-miel mélange les saveurs et textures grâce à sa butternut rôtie et ses graines de courge. Produit clé en main, il suffit d'ajouter la rondelle de chèvre en magasin pour parfaire son look. La quiche chèvre-miel vient remplacer la quiche courgette chèvre pour cette période. Selon que vous avez l'habitude de produire dans votre commerce, remplacez la quiche courgette chèvre ou le chaud-saucisse poulet par cette nouvelle recette. Pour une option plus légère, mais tout aussi réconfortante, notre plat de fusilli aux chèvres, au miel et aux légumes d'hiver est un choix parfait. Butternut, pousses d'épinards et oignons rouges amènent de la couleur, tandis que les cerneaux de noix parsemés dans le plat ajoutent du croquant. À proposer chaud, mais également consommable froid, à la préférence du client. Il est à servir dans les boîtes rectangulaires en craft et un sticker est à apposer sur le couvercle transparent pour indiquer au client les consignes de réchauffe. 1 minute 30 au micro-ondes. Si vous produisez d'habitude la salade tomate mozzarella ou la salade thon œuf, arrêtez temporairement ces références et proposez ce plat fusilli chèvre miel à la place pour cette période. Ces deux nouvelles recettes de saison sont végétariennes. Dans la continuité des recettes aux chèvres et au miel, c'est le moment de rejouer nos recettes permanentes. Sandwich chèvre, miel et noix, croissant chèvre miel ainsi que la part de pizza chèvre et miel dans son nouveau format en plaque. Cet hiver, côté gourmandise sucrée, nous offrons à nos clients des desserts qui célèbrent le caramel sous toutes ses formes. L'éclair associe un fourrage caramel à la crème pâtissière. Au fondant caramel, nous avons également ajouté des éclats de caramel. Outre leur croquant, leur pointe de sel viendra révéler toute la puissance de ce dessert. Notre cheesecake s'habille également en caramel pour ce premier trimestre. Les lignes déstructurées de la sauce Monin caramel et les éclats croustillants viennent sublimer notre dessert emblématique. Au trimestre 1, l'éclair café et le cheesecake nature disparaissent de nos comptoirs et sont respectivement remplacés par ces deux nouvelles recettes.
comment passer l'hiver sans se réchauffer autour d'une boisson chaude? Notre nouveau latte caramel est une recette gourmande et facile à réaliser. Composé d'un café latte à la douce mousse de lait, d'une sauce caramel, de la crème fouettée et des éclats de caramel croustillant, cette nouvelle boisson plaira au plus grand nombre. Le verre conique en verre est disponible sur entrepôt. Nous vous proposons également de mettre en avant le macaron caramel au beurre salé en format mini. Celui-ci se glissera parfaitement dans notre gamme de desserts au caramel. Attention, le stock est limité. En caisse, typez sur la touche « mini macaron à l'unité ». Vous pouvez également les proposer en lot de 3 à venir confectionner au moment de la vente. Le mini macaron au caramel a une DLUO jusqu'à début mai 2024. Afin de renouveler nos best-sellers en pâtisserie individuelle qui sont source de trafic, nous avons revisité nos tartelettes emblématiques. Ajout de texture, de volume et de saveur, nos tartelettes en mettront plein les yeux et plein les papilles à vos clients. La tartelette caramel est désormais décorée avec une ribambelle d'amandes effilées. Notre tartelette au citron s'agrémente de zestes de citron vert ainsi que de perles de meringue positionnées en enfilade. Les perles de meringue sont livrées déjà confectionnées, il ne reste plus qu'à les disposer. La tartelette chocolat, quant à elle, est garnie de dentelles de chocolat brisé à réaliser en plaques avec un mélange de beurre, sucre, lait, farine et cacao. Un coup de cuisson et le tour est joué. Nous allons mesurer l'accélération des ventes liées à ces décorations sur ce premier trimestre et déciderons du maintien de ces décors par la suite. Durant la période, ces 3 tartelettes ne doivent donc être présentées qu'avec les décors. Pour terminer la collection de saison, nous remplaçons le fromage blanc aux framboises par un fromage blanc mettant à l'honneur un fruit emblématique de l'hiver, le kiwi. Pour surprendre nos clients, nous avons opté pour un fourrage qui mêle le kiwi au sucré acidulé de l'ananas. Le granola vient amener du croquant à ce dessert plein de légèreté. Passons aux événements calendaires de la période. En 2024, nos boutiques seront animées chaque mois par des thématiques mensuelles qui feront l'objet de PLV et de communication marketing en magasin. Lors du trimestre 1, nous avons donc 3 thématiques. Janvier sera animé par l'épiphanie, février par carnaval et le mois de mars tournera autour du printemps du chocolat. Nous aurons également l'occasion d'animer nos magasins par des événements calendaires ponctuels. L'épiphanie se fête le 6 janvier. En février, nous fêtons la Chandeleur le 2 février. Le Mardi Gras prendra lieu le mardi 13 février et la Saint-Valentin célèbre l'amour au 14 février. Enfin, en mars, nous célébrerons Pâques avant de fermer le chapitre de ce premier trimestre. En janvier, nous fêtons l'épiphanie. Les galettes et couronnes qui seront animées pour l'épiphanie vous ont été présentées au travers du dossier de l'OP5 2023. N'hésitez pas à aller le reconsulter. En février, nos boutiques seront animées par la fête de carnaval. C'est l'occasion de proposer nos célèbres bugnes. En 2023, nos bugnes nature ont fait un carton plein, tant en termes de chiffre d'affaires, de volume de vente que de marge. Cette année, nous surfons à nouveau sur leur succès en proposant également une variété chocolatée pour les plus gourmands. Les bugnes ont déjà fait l'objet de réservations en juillet dernier. Nos crêpes, nos gaufres, nos beignets et mini-beignets seront également mis à l'honneur au cours de ce mois de festivités carnavalesques. C'est également le retour des mini-beignets framboises. N'oubliez pas de proposer les crêpes et les gaufres aussi pour la Chandeleur qui a lieu le 2 février. À la Saint-Valentin, les amoureux retrouveront dans nos magasins nos pâtisseries incontournables en forme de cœur. Ils seront séduits par nos cœurs briochés, cœurs tropéziennes ou encore cœurs feuilletés. Cette année, nous donnons à nos clients une idée cadeau pour une attention pleine de tendresse. Pour moins de 5 euros, notre macaron cœur framboise s'offre dans un coffret cadeau aux couleurs romantiques. Ce coffret sera réutilisé plus tard dans l'année à d'autres occasions, fêtes des mères et des grands-mères par exemple. Enfin, nous retrouvons également l'entremets cœur à la framboise qui ravivera les envies sucrées. Coup de foudre assuré. En mars, nous verrons la vie tout en chocolat. Notre flan nature iconique se décline en version chocolatée, un dessert intense en chocolat et cacao qui surfe sur le succès de la version nature. Produit clé en main à commander chez Panacha, le nappage abricot est quant à lui à réaliser en magasin. Le flan chocolat prend la place du flan à la noix de coco pour ce trimestre. Veuillez ne plus en proposer à vos clients.
Le printemps du chocolat verra le retour de nos croissants et palmiers en chocolat. Pensez à mettre à l'honneur toutes vos recettes permanentes avec le chocolat en ingrédient phare pour animer votre commerce. Éclair chocolat, macaron chocolat ou encore onctueux seront les stars de ce mois aux couleurs cacao. Mars annonce également l'arrivée des festivités de Pâques. La brioche que vous connaissez en version bonhomme de neige se transforme en petit poussin pour le trimestre 1. Décorée d'une coquille en chocolat blanc ou chocolat au lait, ainsi que de sa paire d'yeux et son petit bec, la brioche Piu-Piu sort de sa coquille et fait son nid dans nos boutiques. De quoi faire craquer les plus jeunes de nos clients. Les décors seront livrés ensemble dans un même colis. Ils sont à coller sur la brioche à l'aide de la pâte à glacer chocolatée. N'hésitez pas à scénariser la brioche Piu-Piu avec des décors en magasin. À Pâques, côté négoce, nous vous proposons de mettre en vente notre lapinou en chocolat habillé de sa salopette. En sachet de friture chocolat noir, chocolat au lait ou blanc caramélisé, les petits poissons et coquillages en tout genre feront le plaisir de chacun. Enfin, c'est parti pour la chasse aux œufs avec nos œufs en chocolat. Un sachet de 3 variétés d'œufs en chocolat animera nos comptoirs. Pour les magasins adeptes des bonnes affaires, n'hésitez pas à recommander les accessoires utiles à la Saint-Valentin ou pour Pâques. Découpoirs, pochards ou gabarits, attention, le stock est limité. Passons à présent à nos nouveautés qui entrent dans notre gamme permanente. Petit bijou de la pâtisserie française, les financiers arrivent chez Paul. Les financiers peuvent être proposés à la vente à la pièce au format 40 grammes. Ils sont à présenter en corbeille en magasin. Pour un plaisir partagé, nous proposons des sachets de 10 mini financiers, chacun au format 20 grammes. Enfin, des plateaux d'assortiment de mini financiers viennent intégrer notre collection traiteur événement. Pour plus d'efficacité, nous vous recommandons de proposer des plateaux en mono parfum nature. Toutefois, la vente d'un mix de saveurs est possible. En effet, les financiers et mini-financiers peuvent se décliner en 4 autres saveurs, chocolat, café, pistache et framboise. Pour les réaliser, Panacha vous propose des poches surgelées de 1 kg. Les moules et les petits sachets cristal sont à commander chez Panacha également. Vous connaissez désormais l'ensemble des produits qui viendront animer nos vitrines et comptoirs du 1er janvier au 31 mars 2024. Attention! Veuillez noter que la collection de saison sera en magasin à partir du 11 janvier. À noter également que cette animation commerciale fait l'objet de réservations. Nous vous souhaitons un très beau premier trimestre 2024 et de très belles ventes!